Le truculent contribuable comme un samaritain dévot fond comme une glace minable devant les terribles photos du petit noir crevant dans le sable avec des mouches plein le museau ou du myopathe pitoyable dans sa chaise comme un escargot. Il se jette sur son portable pour promettre à Télémago de remettre une somme considérable par chèque avec plein de zéros. C'est un rite, ce geste affable, comme filer sa pièce au clodo pour conjurer le sort effroyable que cela ne soit jamais notre lot. Soyez bon, soyez charitable et soyez généreux, c'est beau. Le dévouement, c'est admirable et ça se déduit des impôts. Quand on a du blé plein ses étables, on prend vite des réflexes de veau. Faire l'aumône au bon misérable plutôt que de payer des impôts. Distribuer de jolis cartables et des stylos neufs aux marmots. Et traiter les profs d'incapables en laissant l'école prendre l'eau. Certes, il y a des choses critiquables comme quand l'État prend l'apéro. Avec les sous du contribuable, pourrait parfois lui payer un pot. Mais si vous ne trouvez pas équitable qu'on partage un peu le gâteau, faut pas venir pleurer à ma table et loucher sur mes pépitos. Je serai bon, je serai charitable et l'on pourra me prendre au mot. Quand l'armée sera insolvable, je paierai ses canons au bistrot. Je serai bon, je serai charitable et l'on pourra me prendre au mot. Quand l'armée sera insolvable, j'adopterai un petit char d'assaut.